tout le monde. Bisous à everybody. Alors je vais commencer par donc j'ai un petit bout que je vais mettre juste avant le début de la vidéo. Parce que il va faire la gueule. Il y a du vent, hein. C'est con, on va même pas entendre Chris. Chris ? Ouais, Chris. Il y a trop de vent ? Ouais, peut-être un peu trop de vent. On va se mettre là. Donc en fait je voulais passer un bonjour à Chris Polish Trucker, voilà. Ouais, Chris Polish Canada, Chris Polish Trucker. Enfin lui là, voilà, parce qu'il fa... apparemment fallait absolument que je le fasse parce qu'il passait pour un con entre moi. Donc voilà. Donc oui, bah, il regarde bien les vidéos du petit gros et puis oui, je lui passe un bonjour à monsieur Chris Polish Trucker Canada, Ouagadougou de l'Ouest nord-américain. Voilà, voilà. C'est tout. C'était juste pour... comme ça. Voilà, rien dire. Bon, et maintenant, c'est la suite. Prochain épisode. Allez, tato! Bisous à everybody, tout le monde. Les gens. Il est 7h32 en ce lendemain de défaite de la Coupe de l'équipe de France en Coupe du Monde en France. Je suis voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Ta gueule. Un peu frustré, pas mal déçu. Fier de l'équipe de France malgré tout, mais... ils n'ont pas joué le rugby qu'ils jouent d'habitude. Ils se sont loupés sur ce coup-là, mais bon. C'est pas facile non plus parce que quand tu tombes sur une équipe comme ils sont tombés hier, sur la, l'équipe d'Afrique du Sud comme hier, c'est déstabilisant et du coup tu perds un peu tes repères. Et hier, ils étaient extrêmement rapides, les Sudaf. Extrêmement rapide. Donc, surtout sur des coups de pied. Les Français étaient meilleurs en avant, mais en arrière, ça manquait un petit peu de... Ouais, bon, bref, ils sont perdus. J'ai les boules, mais c'est comme ça. Ouais, j'ai les boules, quand même. Mais il y a plus grave que ça dans la vie. Ce qui compte, moi, c'est ma famille et ma job. Moi, ma fille ira gagner. C'est ça ce qui compte, parce que ma fille fait du rugby depuis quelques mois, là, depuis quelques semaines. Et hier, elle a gagné, ma fille. Elle n'était pas, pas contente d'elle. Elle trouvait qu'elle n'avait pas assez plaqué, qu'elle n'était pas assez allée au carton. Mais elle m'a fait une réflexion, elle me fait « Mais moi, papa, si je finis un match de rugby sans saigner, c'est que je ne suis pas, assez allée au carton. » Ok, ma fille, mais tu peux aussi finir un match sans te blesser, là. En tout cas, sans saigner, c'est vrai que c'est difficile, mais... Mais elle a gagné, donc je suis fier de ma crevette. Elle est... En fait, ma fille est très polyvalente dans le terrain parce qu'elle peut jouer talon, elle peut jouer à la charnière, elle peut jouer à l'arrière. Elle manque un petit peu de course pour les ailiers, mais elle a vraiment une belle pointe. Mais centre, elle est vraiment, vraiment pas mal. Et elle peut jouer aussi talonneur, troisième ligne, enfin deuxième ligne, parce que là... c'est du rugby à 7, donc en fait il n'y a qu'une ligne, mais elle fait, dans les regroupements, elle fait pas mal de boulot de deuxième ligne, c'est-à-dire que elle va à la percussion, elle va dans le rock, et puis s'il n'y a personne à la charnière, elle prend et puis elle envoie. Pour le ballon et elle envoie, donc non, je suis fier d'elle. J'y apprends 2-3 petits trucs, ben, d'ailleurs je les entraîne, quand je suis là, j'entraîne les filles avec l'entraîneur de son école et une entraîneuse aussi. Donc voilà, puis j'adore ça, c'est le fun, ça me rappelle la vieille époque quand je coachais les jeunes à Luynes, à côté de Tours. J'ai fait ça quelques saisons. Donc voilà, et donc il est 7h34 à Jal, au Nouveau-Mexique. Et donc je viens de la livrer, après j'ai Odessa au Texas, c'est pas très loin d'ici, 1h30 je pense. Et donc ouais, je suis un peu à la ramasse dans les vidéos, clairement, j'ai plus vraiment envie d'en faire en ce moment, alors bon, mais j'ai eu la tête dans le guidon là, pendant plusieurs semaines, j'ai toujours un peu, mais moins, donc du coup, je me force de faire des vidéos, mais j'ai un peu moins envie d'en faire en ce moment, mais bon, je vais le faire parce que j'ai pas envie de perdre ma communauté, non pas pour le nom, pour le lien qui nous unit, voilà, mais ça, je veux le garder. Donc voilà. Voilà, je suis chez un client à Jal.
Vous n'êtes pas droit. Ah non, vous n'êtes pas droit, alors. Donc voilà, là j'ai ouvert ma toile. J'ai des strappés, puis j'attends, en fait, il y a des clients qui arrivent chercher plein de choses. Et donc les clients sont prioritaires, donc bon. Je vais avoir du mal à vider avant midi, heure montréalaise. Ah, c'est pas grave. J'espère recharger demain matin, moi, au Texas, de manière que je puisse essayer de vider en fin de semaine, ce serait bon. Ça me plairait bien. Mais bon, on va voir ça. Voilà, voilà. Puis quoi d'autre? Bah, rien de spécial. Tout va relativement bien. J'ai encore un check-in sur mon truc. J'ai changé le sensor, le capteur de pression d'huile avant de partir. J'ai changé moi-même. J'ai pété un scandale chez Peterbilt, vous avez pas idée. J'avais mon pote Seb qui était avec moi là. Je pense qu'il y avait longtemps qu'ils avaient pas eu ça. Mais j'ai foutu le bordel. Bref. Parce que je viens commander la pièce et en fait, je viens chercher la pièce et en fait, ils voulaient pas me la donner, ils voulaient brancher la valise dessus. Mais j'ai dit, mais j'ai pas besoin de ça. Ouais, mais si, ils seront pas la bonne pièce. J'ai dit, non, mais il y a un mécanicien qui l'a fait. C'est bon. Ouais, mais non, c'est pas comme ça. Oh là là, je suis parti dans le rouge. Ça a été un peu tendu, ouais. Ouais, ouais. Putain, je suis pas prêt de vider, moi, s'ils font que d'arriver comme ça. Bon, bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai changé ce capteur-là. Puis, apparemment, j'en ai encore un autre qui a chié. Putain, j'ai pas beaucoup de sensors, moi, par rapport à un camion récent. Mais toujours un qui merde, fait chier. Et c'est comme ça. Et mon camion est sale, il faudra que je le nettoie. Donc, voilà. Ma vie de côté gauche qui a du mal à remonter quand je la descends et qu'il pleut. C'est pour ça que j'ai mon bout de scotch en haut. Là. Parce que quand il pleut, on ne monte plus la vitre. Alors, c'est le bordel. C'est bizarre parce que quand c'est sec, elle va super bien. Mais quand c'est humide, elle va plus super bien du tout. Donc voilà. Là, j'ai pris mon petit déj. Je vais le matin, je me fais un petit chocolat comme ça. Là. Puis après, j'ai mon café. C'est comme un peu des sablés avec des noix de pécan dedans et puis il y a des morceaux de sel, j'adore ça. Alors tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui travaillent dans le milieu du pétrole. De toute façon, c'est que ça ici. Et ça pue ici. Ça sent le milieu pétrolier, ça pue. Moi, j'aurais du mal à vivre dans un milieu comme ça. Parce que c'est partout sur des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres carrés, voire même peut-être des milliers de kilomètres carrés. Et les endroits au Texas où ça sent moins, parce qu'on s'éloigne un peu de tout ce qui est pétrolier, mais dans des villes comme Jal, Midland, ça là, tout ce qui est proche du pétrole, c'est dommage, on peut pas encore faire sentir aujourd'hui avec les vidéos, mais non, ça pue, c'est pas terrible, ça sent, c'est un mélange d'œufs pourris. Ben, en fait, si il y en a qui savent, c'est ce que ça sent près des raffineries à Rouen et au Havre, voilà, mais en plus fort. Mais c'est ça, ça sent ça, c'est un mélange d'œufs pourris, de soufre là, franchement, c'est pas terrible. Mais là, Jean, vous êtes déjà venu avec moi, vous savez, c'est quand, je vous montrerai tout à l'heure, quand on sort, on passe à côté des parcs de VR, de véhicules récréatifs, de caravanes, etc. Parce que la plupart habitent là la semaine, et puis les week-ends, ils rentrent. Ou alors, ils habitent là pendant plusieurs semaines, et après, ils rentrent.
putain, je suis pas parti de là-dedans, moi. Moi, je suis arrivé à l'ouverture, je vais mettre mon time in, time out. Mais à mon avis, je ne serai pas payé parce que c'est comme ça, c'est les clients qui sont prioritaires. Et puis on me dira, mais non, on ne paye pas, faut venir plus tard, faut pas venir à l'ouverture. À l'ouverture, on a nos clients. Ouais, c'est pas qu'ici, hein, en France, c'est pareil. Hein. Il y a des usines, ils ne veulent pas que tu viennes à l'ouverture parce que il n'y a pas assez de personnel et du coup, la personne qui s'occupe des clients fait aussi les chargements et déchargements. Et il y en a encore un qui arrive, tabarnak. Donc voilà. Et puis quoi d'autre? Bah pas grand chose, sinon tout va bien. Vous avez dû voir pour certains que mon pote Oui-Oui s'est mis à son compte. Il s'est acheté un beau 379 de 2001 avec un Caterpillar dedans. Il s'est acheté ça, le pépère, et il s'est lancé. Et il broque chez Dubois avec moi. Là, il était en Ohio hier soir, il repartait à minuit, là, il doit être au Canada. Il va rentrer début d'après-midi. Il va vider ou ce soir ou demain matin, il va rentrer chez lui, de toute façon ce soir, puis il va repartir aussitôt sur probablement un plat de mine ou à la grange, je ne sais pas. Ouais. Il est content, je suis fier de lui. Ouais, William Transport, ça s'appelle. Il y a un putain de beau logo. Vraiment joli. Non, non, c'est bien, il a rien lâché, pépère, puis ça avance, c'est cool. Il y en a plein en ce moment qui se mettent à leur compte là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Il faut. Moi la différence c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai tout. J'ai mes assurances, j'ai mon US Dodge, j'ai tout, 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 tout. Tu. J'ai. Je peux me barrer du jour au lendemain, quoi. Mais en ce moment, vaut mieux pas faire le malin. Le peu de boulot qu'il y a, vaut mieux vraiment pas faire le malin. Si t'as du boulot et que t'as une place, garde-la en ce moment. Parce qu'on est en pleine récession, c'est pas fini tout de suite. Alors les plus pessimistes diront que ça va durer encore au moins un an. Putain, ça se vide là, c'est bon. Ça va durer encore au moins un an. Merde. L'inverse de pessimiste. Optimiste, merci. Diront qu'on est à la fin et puis ceux qui savent pas comme moi en fait. Je pense qu'on est en plein dedans. Je le vois, les commandes de tracteurs s'en reviennent, les parcs d'occasion se revident. Et surtout, il y a des compagnies qui reprennent l'immigration. Donc ça veut dire que ils anticipent. Et il faut anticiper, il faut être prêt quand ça va reprendre. Ah tiens d'ailleurs, j'ai un petit truc à dire là-dessus. Il y a des compagnies, des grosses compagnies qui ont dit à des gens, j'ai plus de travail, c'est plus la peine de venir. Si, c'est la peine de venir. Si la compagnie qui vous a fait venir n'a plus de travail pour vous, si vous avez tous les papiers pour venir, venez. Vous avez plusieurs solutions. La première, c'est vous trouver un autre travail ici. Avec des CV, vous envoyez. Vous dites que vous avez simplement, pardon, je l'ai ok, simplement besoin d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche avec toutes les conditions qui vont bien, puis avec en tête sur le papier. Et quand vous allez arriver au DON, ils vont vous faire un permis de travail fermé rattaché à cette nouvelle compagnie, puisque votre CAQ, votre IMT, votre CAQ sera déjà fait. Voilà, mais ça, pour ça, il faut avoir un CAQ, un IMT ou une lettre d'introduction, ok. Et puis s'ils ne le font pas là, si vous avez peur d'être refoulé, vous dites rien. Vous passez les lignes comme ça, et une fois ici, vous faites la même chose, mais vous faites le tour du poteau. Ou alors, une fois que vous serez ici, vous pouvez aussi simplement demander votre permis de travail avec un numéro A,
sur le site internet et vous pourrez travailler sur le site IRCC sur internet et vous pourrez travailler pour cette nouvelle compagnie. Il y a plein de solutions. Donc, si une compagnie vous dit non, vous venez plus parce qu'on n'a pas de travail pour vous, mais que vous avez déjà tous les papiers, venez. Venez, venez. Vous ne serez pas foutu dehors. Ils veulent ouvrir les vannes hein, de l'immigration, clairement. Hein. Vous vous rendez compte, ils prévoient, ils veulent 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100. On est 37 millions, hein. C'est trois fois plus. Dans les grandes lignes. Donc, ouais. Donc, ils vont ouvrir les vannes de l'immigration. Mais sauf que le Québec va toujours rester un poil chien dans le sens où ils veulent plus de francophones. Ils ont raison. Donc, Et vu ce qui se passe en France, le Québec va pas faire n'importe quoi, c'est sûr. Contrairement à l'Ontario ou à d'autres. Encore une fois, c'est pas une question de forcément de religion. C'est en fait hier, il y a un gars qui a dit, je sais plus sur quelle radio, il dit il y a les. Alors comment il l'a dit ? Oh, je sais plus. Ah, j'ai bouffé le nom. Bref, c'est pas grave. Je crois. Attention, je veux pas blesser cette communauté. Hein. Vraiment. Hein. Mais je crois qu'il a dit il y a les musulmans. Ok. Puisque c'est d'eux qu'on parle, hein, vu ce qui s'est passé en France, on s'entend bien. Il y a les musulmans et il y a les islamistes. Je crois que c'est ça les nuances qu'il a fait. Donc il y a les musulmans, il disait le gars, il y a les musulmans, comme il y a les chrétiens, comme il y a les juifs, comme il y a les orthodoxes, comme il y a d'autres religions. Ils vivent leur vie, ils font chier personne. Point barre. Mais ça, c'est parfait. Puis il y a les islamistes. Donc ce sont les extrémistes. Voilà. Donc, il disait, c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître souvent de fois les musulmans extrémistes. C'est qu'ils se disent islamistes et non pas musulmans. Alors, j'emploie peut-être pas les bons termes, encore une fois, je ne veux surtout pas vexer les musulmans, hein, que les choses soient claires. On parle des musulmans parce que ce qui s'est passé avant-hier, je ne sais plus quand, c'était un musulman, ça aurait pu être un orthodoxe, ça aurait pu être un chrétien ou un juif. Hein. C'est juste, encore une fois, la religion qui fout la merde, hein, comme d'habitude. Voilà. À une époque, c'était les chrétiens qui faisaient parler d'eux, sauf qu'il n'y avait pas les médias. Parce que je vous rappelle que les chrétiens, ils sont bons aussi. Hein. Couper la tête des rousses et puis des gens qui disaient que la terre était ronde. Un peu moyen. Enfin bon, puis on sait ce qu'ils ont fait au niveau mondial, les chrétiens... Ce soit dans les orphelinats, dans les communautés autochtones, tout ça. Je sais que je ne vais pas me faire des copains, mais vous connaissez ma haine envers les religions. Mais je respecte les gens croyants. Mon pote Seb est un croyant, hein, et un pratiquant. Hein. Et un vrai. Hein. Mais je le respecte. Je le respecte. Voilà. Je respecte toutes les croyances. Pas compliqué. De toute façon, je respecte tout le monde. Du moment qu'on me fait pas chier, je respecte tout le monde. Donc voilà, bon, et Seb, réveille parce que putain, tu parles, t'as d'autres tensions là. Je sais pas combien de temps ça fait que ça tourne. J'ai pas, toujours pas pris mon petit-déj. J'ai 18 minutes à raconter ma vie, sans déconner. Donc là, je vais prendre mon petit-déj. Mon avis, je suis pas parti d'ici. Il est quelle heure ici? Il est 8h moins 10. Je suis pas parti d'ici avant 10h. Donc midi à Montréal. Ah, c'est comme ça. Bon allez, je vous laisse, je vais finir de prendre mon petit déj, moi, et puis... Oui, je sais. Faut que je me rase. Faut que je maigrisse un petit peu aussi. Et surtout, faut que j'arrête de blanchir, mais là, c'est mal barré. Ben ouais, c'est ça, puis en plus, en ce moment, avec tout le stress, ça arrange pas le truc. Ben, je vieillis, hein. J'ai 50 piges. Hein. Mais j'ai toujours la forme. Le jour où je voyais, il y avait. J'étais à un endroit où je chargeais, il y avait les jeunes, et puis.
Et je les voyais, ils étaient dans la remorque, ils avaient du mal à descendre. Et moi, je sautais là-dedans, je sautais comme un lapin. Je montais, je descendais comme un lapin. Puis le mec, il vient me voir, un Américain, puis il me fait « T'es jeune ?» Je regarde, je fais « Plus vraiment, là ?» Il me dit « Si, si, t'es jeune. » Là, moi, il me fait « Rien. » Il me dit « T'es plus jeune des trois, là. » Je dis « Pourquoi ?» Puis c'est là qu'il m'explique, il me dit « Je te regarde, ça fait 10 minutes, là. » Il me dit « T'es le plus nerveux, puis t'as, tu montes, tu descends, machin, tout ça. » Il me dit « T'as quel âge ?» Ben, j'ai 50 ans. Il me dit « Ouais, c'est ça, c'est toi le plus jeune. » Je dis « C'est gentil, merci. Ça fait plaisir. » Mais en fait, moi, il y a des fois, je me facilite pas la vie, justement, exprès. Bon, il y a des fois, je vais faire attention, par exemple, mais il y a des fois, j'ai pas de solution. Je suis monté sur la remorque. Il y a des fois, je monte uniquement à la force des bras avec les straps pour enlever une équerre ou mettre une équerre, des choses comme ça. Ah ben non, c'est ça. C'est à Edmonton, chez le client, un bébé. Et ouais. Et donc, c'est lui qui me disait ça. C'était assez rigolo. Donc voilà, bon allez, putain, ça arrive encore, tabarnak. Bon allez, à tantôt, parce que je prends mon petit déj. Parce qu'il n'y a pas que ça à faire. À tantôt. Ça commence à vider. C'est 1h30, je suis là. Je commence à m'endormir. Je vais pouvoir manger sans. Je vais vous montrer vite fait ce que je vous disais tout à l'heure. Le pack de verre. Vous les voyez là-bas? Bah, en fait, derrière aussi, c'en est, mais il y a des petites cabanes là aussi, il y a des maisons. En fait, ici, c'est une ancienne école. Ouais. Vous voyez les parcs de VR là-bas, les véhicules récréatifs. Et c'est là qu'ils viennent dormir la semaine. Alors je sais pas s'ils restent plusieurs semaines et puis ils rentrent une semaine ou s'ils rentrent tous les week-ends, je sais pas. Et ouais, ça pue. C'est bizarre. C'est un mélange, je vous dis, de soufre, d'œuf pourri et puis de marais. C'est assez spécial. Bon, il y a un peu de souillé, ouais. C'est un gros load. Pas en poids, mais j'avais pas mal de choses, ouais. Ils ont eu beaucoup de mal à tout mettre.
Alors, enfin, là, tout ce qu'il y a... En fait, il y a tout ce qu'il y a là, là, derrière. Ça va de là jusque l'arrière, plus les deux palettes qu'il y a de l'autre côté en haut. Donc, une fois qu'il aura enlevé ça, je lui ai demandé de faire descendre celle-là en haut, là. Qu'on avait mis des calages de bois, mais ça a tenu, mais ça commence à être moyen. Donc je vais faire descendre celle-là en bas, et puis tout le reste après ça s'en va à Odessa. Odessa au Texas. C'est... voilà, c'est ça. Bah, c'est l'avantage, c'est pas lourd quoi. Ah, pas bon. C'est bon. Ah bah voilà, je vais couper pour le moment, je vais pas vous montrer tout le déchargement, c'est un déchargement. Hein. Voilà, puis bah ça c'est des gens qui attendent, je sais pourquoi, pour charger. En fait, oh bah, je sais pas, il doit y avoir quelque chose parce que le gars qui s'occupe des clients est là-bas. En fait, là il me dit parce que lui, il fait les déchargements. Il est arrivé donc du coup, bah, je saurai la prochaine fois, j'entrerai pas avant 8h. J'ai oublié une équerre, moi, là-bas. Je vais aller chercher. Je vais couper pour le moment, puis je remettrai en route tout à l'heure. Hein, je vais faire une petite sieste. Abilene, un petit village du Texas. H-A-M-L-I-N. Bon, on a vidé... Nouveau-Mexique, on a vidé Texas, et puis là je m'en vais recharger dans le Missouri. Bon, ça fait un peu de kilomètres à vide, ça paye pas des masses, mais je gagne un peu d'argent quand même. Alors, sûrement, faut pas faire la vie de bouche, hein. Franchement, putain, je vais pas me plaindre, non, c'est pas là que je tourne. Je vais pas me plaindre, mais c'est sûr, je vais pas devenir riche. C'est la couture, là. Texaco. Voilà, ça y est, hein. C'était grand le village. Hein. Ouais, j'ai encore 12h30 de route. Ouais, je fais un peu de kilomètres à vide. Ça fait chier, mais bon, j'ai fait le calcul de ce que je gagne avec tout le tour que j'ai fait. C'est payant.
Non, je parle plat. Ça reste même pas mal payant. Je repense à l'équipe de France de rugby, j'ai les boules, putain, j'ai les boules. Comme ça. Bonsoir, je sais pas où je vais m'arrêter. Ça me démange, enfin je me rase parce que j'aime pas avancer comme ça. Je prends un coup de vieux. J'espère aller jusqu'à Chopin. Chopin, il y a... passé au Oklahoma City, tout ça. Il y a à la Iowa 80, que c'est comme le plus gros truc du monde à la Iowa. À Walcott, c'est la même enseigne, c'est Iowa 80, c'est à Chopin, c'est pas beaucoup moins gros, parce qu'en fait je m'achetais une voire deux grandes trompes pour que le son soit plus grave. Pas quand c'est trop aigu, puis là un peu klaxon de poissonnier. Donc voilà, j'ai les boules parce que j'aurais deux trois choses à vous dire, mais je peux pas les dire pour l'instant. Alors j'attends un petit peu. Ouais. Il faut que je ferme ma gueule. J'ai eu l'accord de Moubouille pour vous dire que... Bah, pour vous annoncer qu'il s'était mis à son compte aussi. Donc voilà. William, un petit jeune, 25 ans. Et il s'est mis à son compte. Bon, il bosse dur, hein. Et William, c'est un hostie drôle. Mais il bosse dur, il bosse vraiment dur. Il devrait gagner de l'argent. De toute façon, comme je disais tout à l'heure, en ce moment, faut pas jouer les difficiles. Hein, clairement. Il y a des brokers qui restent parqués parce qu'il n'y a pas de travail. Hein. Je vais pas chialer parce que je roule un petit peu moins cher que d'habitude. Un petit peu moins cher. Pas tout à fait au même montant que d'habitude. Si j'arrive à ce que je recharge demain, si j'arrive à le livrer cette semaine, ça va pas être bonne semaine. C'est le but. Que j'arrive à livrer vendredi et que du coup lundi je recharge et gaz. Le week-end prochain je voudrais être à la maison, ma fille a un tournoi de rugby. Je voudrais y être. Donc voilà. Je pourrais pas aller coacher malheureusement. Vendredi je vais pas être rentré assez tôt parce que le vendredi l'entraînement il est. Vendredi matin. Aïe, l'entraînement est à 7h30 le matin. Ben ouais, hein, 3 entraînements par semaine. Ben ouais, la saison est courte. Hein. Ici, ils arrêtent. Mi-novembre, je crois. Puis après, ça doit repartir au mois de avril, je pense. Ouais, c'est court. Bah comme c'est à l'école, c'est pas. C'était un truc de championnat, c'est juste des équipes d'école. Un peu comme ça serait l'UNSS en France là. Corps premier école quoi. Et donc voilà. C'était vraiment un club de fédé.
s'entraîne sur du synthétique et couvert. Donc voilà. Ouais, je vous remets un peu devant. Ouais, ouais, d'accord. Ah, bah non, je vais vous éteindre parce que ça a cassé. À tantôt. Bon, vendredi 20 octobre 2023, il est 14h08, j'ai vidé ce matin à Québec, j'ai rechargé sur place des blocs d'acier que j'ai mis dans une dry box. Pour Marion Illinois, j'aurais dû mettre à tout péter 2h vidé chargé, puis en fait... Eh ben ça a mis 4 heures parce qu'au départ, ah ben non, ça vide pas le vendredi. Mais je dis ouais, mais là... Moi, le problème, c'est qu'il faut que je vide parce que je suis pas d'ici, je suis de Montréal et puis je dois recharger. Trouver une autre solution, bah, peut-être, mais pas avant 13h et c'est pas sûr. Ouais, je vais pas attendre jusqu'à 13h, il était 8h, hein, pour rien. Bon, ils ont appelé à notre magasin et qui, eux, ont accepté de me vider. Puis du coup, c'était juste en face des docks ou là où je rechargeais, donc finalement ça a bien été. Mais j'ai quand même passé 4 heures là-dedans parce que une fois au dock, j'ai attendu une heure pour charger. C'était la pause. Une heure. Ils mettent 15 minutes à charger. Bref. Puis après, il y a le temps de l'attacher. Bon, j'ai mal au dos. J'ai le dos complètement en vrac. Donc voilà. J'ai chargé ça là-dedans. Là-dedans. Donc je dépine la remorque là. Alors désolé pour le vent. Et puis voilà, j'ai des bricoles à faire tout à l'heure là. J'attends quelqu'un. Puis on va faire les bricoles et puis... Et puis ben voilà, donc ça va être la fin de la semaine. Enfin la fin de la semaine. C'est 2 semaines et demie que je suis parti. Non, 2 semaines. Ouais. Donc là, je vais faire ce que j'ai à faire. Dans 2 heures, je pense que je suis chez moi. Je vais faire mes papiers. Demain, je pose le logo de Woui sur son camion. Dimanche, j'ai tournoi de rugby. Puis normalement, je repars dimanche soir pour Marion et Lillois. Donc voilà. Eh ben, sur ce, je vous embrasse pas, Melkerier. Prenez soin de vous. J'ai encore une fois, toujours une pensée pour Laurent. Et puis, une grosse pensée aussi pour Patrick Witzel. Voilà. Il y a une petite bricole et je suis tout correcteur, mon dieu Patrick. Donc, en fait, sur la gang, c'est Cotorep. Maintenant, on va changer le nom, on va l'appeler la gang Cotorep. Bon, allez. Je vous embrasse pas, Melkerier, puis à bientôt. Salut Sébastien, salut à tous. Moi c'est Mickaël de la Seine-Maritime. Je viens de m'installer mon compte en assainissement avec le Premium là qu'on voit dans le coin. Donc voilà, bonne route à tous. Et puis Sébastien, bah, continue tes vidéos. Comme d'hab, ça nous fait voyager. Salut. Bon bah salut Sébastien, écoute, c'est Andy. Voilà, je te présente mon camion. En épaviste. Et puis écoute, ça fait plaisir hein, que tu m'aies répondu, c'est cool. Et ben voilà ma tronche, désolé je te fais peur, hein, mais bon, encore un bon barbu, voilà, avec mon petit pépère. Voilà, et puis écoute, ça s'est pas fait, tant pis, hein, c'est comme ça. C'est que ça devait pas se faire finalement. Et du coup, je suis un peu mon rêve de truck américain avec toi. La preuve, hein, regarde, je l'ai sur mon bras. Et puis, ma femme s'appelle Lauriane et mon petit loulou s'appelle Luca. Donc voilà, il te passe le bonjour et voilà, ça fait plaisir, continue, lâche pas. Et puis, je suis content qu'il y a autant de monde qui veulent y aller là-bas parce qu'en France, c'est compliqué, très compliqué. Donc voilà. Allez, ciao.
believe in good vibrations. We'll be right back.